Bon, salut à tous, bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où pour les 3 ans de mon fils, j'ai décidé de lui réaliser une 13e imitation moto vintage. Tout en bois. Donc j'ai commencé par dessiner un croquis. Je me suis basé sur les roues en point de référence pour pouvoir tout mettre aux côtes et avoir toutes les mesures nécessaires. Donc je reporte toutes mes côtes sur du contreplaqué de 15 mm d'épaisseur fait pour l'extérieur, coumé. Voilà, donc je trace tout. Pour les arrondis, j'utilise un compas, des cartouches de colle pour toujours avoir les mêmes angles. Et sur le cadre qui sera la pièce maître de ce projet, je laisse le réservoir et le petit capot arrière. Donc pour pouvoir découper ça, je perce un premier trou pour pouvoir passer ma lame de scie sauteuse qui me permettra ensuite de faire toutes les découpes intérieures. Donc j'ai volontairement laissé certaines parties du cadre également pour me servir de référence après. Comme la partie de la fixation de la roue arrière par exemple, ou la fourche avant. Donc une fois que j'ai coupé un premier côté, je retrace tout le contour qui me permettra de tracer le deuxième côté du cadre que j'aurais plus qu'à couper. Donc là, comme je disais, on récupère la partie de la roue arrière. Donc c'est pour ça qu'elle était restée sur le cadre pour me servir de référence. Et cette partie-là, voilà. Donc si vous ne connaissez pas mes curveys, allez vous faire un tour sur mon Insta. Vous verrez, il y a quelques petites chorégraphies toutes les semaines. Donc ensuite, ça c'est la partie qui va tenir la roue arrière, qui sera fixée sur chaque. J'en mets une de chaque côté du cadre. Donc je vais là pour l'instant juste la découper. Voilà, elle viendra à cet endroit-là. Et pour que les bords soient tout arrondis, à l'aide d'une affleureuse et d'un quart de rond, je vais faire tout le tour de mon cadre, de la deuxième partie du cadre également. Voilà, donc ensuite, vu que j'ai plus besoin de cette partie-là, je viens la découper. Sur les deux parties du cadre, bien sûr. Et je viens passer également un coup d'affleureuse sur la partie qui viendra tenir la roue arrière. Donc pour pouvoir tenir mes deux parties de cadre ensemble, je viens couper les morceaux de réservoir et je laisse un petit téton au bout, c'est la partie sur laquelle sera fixée la fourche avant. Donc j'essaye de mettre mes pièces le plus idéalement possible pour avoir le moins de pertes possible en bois. Et je viens découper ensuite tout ça. Voilà, donc ensuite je mets de la colle et pour pas que les pièces bougent, je vais mettre quelques clous. Juste pour éviter que ça glisse lors du collage, que ça parte un peu n'importe où. Donc à l'aide d'un pinceau pour bien étaler la colle, j'en mets partout. Et derrière sur le petit, je sais pas comment ça s'appelle, je fais la même chose. Donc là j'ai mis 4 planches de 15 mm d'épaisseur. Et là le petit siège qui fait lui 16 par 6 cm. Voilà, donc je colle tout et le dessous du réservoir lui fait 30 par 6. Pour tout ce qui est côte, plan, pour savoir comment j'ai fait, je vous ai tout mis à la fin. Comme ça, vous allez pouvoir reproduire à peu près la même chose ou un truc similaire du moins. Donc je continue à coller et pareil, voilà, je viens mettre la deuxième partie du cadre. Quelques clous pour renforcer le tout, éviter que ça glisse. Et bien sûr, pour que la colle prenne bien, que ce soit bien serré, je vais oublier les deux côtés extérieurs du réservoir. Et pour que ça tienne bien, je viens mettre des serre-joints un peu partout pour que toutes les pièces viennent vraiment bien coller. Donc la colle là que j'utilisais, c'est de la colle Patex résistant en milieu humide pour les contraintes extérieures. Donc j'ai essayé le ciseau à bois pour enlever la colle, bon ça se voit que je suis pas menuisier. Hein. Donc là le petit téton que je vous disais tout à l'heure pour fixer la fourche, je vais l'arrondir comme ça le guidon pourra tourner sans problème. J'aurais pu essayer d'autres techniques pour faire ça, mais je kiffe la meuleuse, le disque à lamelle c'est la vie. Donc j'ai décidé de faire ça à la meuleuse. Et avec un disque neuf, forcément, ça fait moins de traces en plus. Donc je vais venir sculpter toutes les formes que je désire sur ma draisienne. Donc là, je vais attaquer la fixation de la roue arrière. Donc pour que je prends une mèche de 22, je crois, pour que je puisse insérer la douille de mon ticket pour venir serrer la roue. Et je vais découper des entailles. Un petit coup de quart de rond de chaque côté pour la propreté et je vais venir entailler la planche avec une fraise droite de 1,5 cm d'épaisseur, partie dans laquelle je vais venir mettre justement un morceau de ferraille pour enfoncer la fixation de la roue
Voilà, donc l'axe de la roue de Decathlon, c'est du 8 mm. Donc je perce un trou avec la perceuse à colonne à 9, comme ça j'ai un petit peu de jeu pour pouvoir passer mon truc dedans et le faire coulisser. Et ensuite, je vais venir faire deux trous de 5 mm. Pour pouvoir ensuite fraiser à 6, enfin faire un taraudage à 6, pardon. Comme ça, ça va bien renforcer la structure, voilà, que sur la planche de contreplaqué, ça fera un renfort. Et je vais venir mettre des têtes fraisées, donc je vais venir faire un petit fraisage avec l'embout de fraisage Wolfcraft. Donc pour la propreté, finition, éviter la rouille, je passe un coup de peinture. Donc moi j'ai toujours des restes de bombe, donc là c'est du noir martelé. Et pour le fixer dessus, j'ai mis une colle qui va venir résister au bois et acier. Et pour éviter que les boulons se démontent, un petit coup de frein filet à l'intérieur, je colle ça. Et je n'ai plus qu'à mettre mes vis tête fraisée de 15 mm. Voilà, et puis on voit bien la colle qui chie, donc c'est que ça va bien tenir. Un petit coup de chiffon pour enlever toutes les traces. Et on est nickel. Donc là maintenant je vais attaquer le guidon. Donc pour le guidon, je suis toujours sur du contreplaqué extérieur ou coumé, mais cette fois j'ai pris du 5 mm d'épaisseur. Donc je viens de couper mon premier morceau qui va me servir de gabarit. Et je vais venir le recopier ensuite au fur et à mesure pour découper les autres morceaux du cadre. Donc là je suis parti sur 5 épaisseurs, comme ça je vais pouvoir faire un guidon de 25 mm. Donc pourquoi des planches de 5? Comme ça je vais pouvoir le cintrer légèrement par la suite pour éviter d'avoir un guidon tout droit, trop basique également. Et pour le cintrer, donc je vais me fabriquer un petit gabarit sur la longueur du guidon. Et je vais pouvoir le cintrer légèrement une fois que je vais le mettre dedans. De toute façon on verra ça par la suite. Donc je découpe mon gabarit. C'est pour ça que la traite du milieu et que la coupe que je fais là est légèrement cintrée. Donc je viens coller tous mes embouts, pareil, colle, donc colle extérieure, résistante à l'humidité. Je colle toutes mes épaisseurs les unes après les autres. Là je mets juste deux coups, c'est pour éviter que les planches glissent les unes contre les autres, parce qu'avec le bois, avec la colle, c'est voilà. Donc après je vais mettre ça dans mon étau, je mets deux planches de bois de chaque côté pour éviter de marquer le bois. Et je viens serrer ça dans mon gabarit et on voit que les planches suivent. Voilà, je laisse quelques sergents un peu partout. Et maintenant, on va laisser sécher ça. Une fois que c'est sec, moi, je kiffe toujours mon disque à lamelle. J'aurais pu faire ça également à la défonceuse avec un quart de rond, mais j'avais pas envie. On va pas se leurrer. Et je viens donc gratter toutes les traces de colle, arrondir un peu les bords. Et voilà, donc là, je vais attaquer la fourche. Donc, j'ai pas montré comment j'ai découpé les deux petits trapèzes. Mais bon, je vais faire un trou de 25 mm, justement pour passer mon guidon. Ensuite, les roues, comme sur la roue arrière, mon axe, mon trou de 22 pour pouvoir passer l'axe de la roue. Donc là, je suis en train de réaliser donc du coup deux fois la même pièce faire toutes les découpes en même temps. Donc voilà les deux côtés de la fourche. Il n'y a plus qu'à les découper. Préparer les entailles pour les roues. Je vais faire comme sur la roue arrière, je vais entailler la pièce avec une fraise droite d'un demi centimètre pour en rajouter un renfort en acier. Qui viendra donc du coup à fleur. Ouais, voilà, du coup le renfort d'acier, donc j'ai esquivé un peu pour ne pas perdre de temps. Donc le support de la roue arrière, du coup je vais venir le mettre, le coller et juste venir le fixer sur le côté avec des grosses vis. Donc pour le guidon puisse tourner, j'ai trouvé un système en tube acier de 14 mm. Donc j'agrandis mon trou jusqu'à 14. Je viens mettre mon tube en acier à l'intérieur. Et je mettrai ensuite une tige de 12 mm. Donc ce tube acier en fait 14 extérieur, 12 intérieur. Donc ce qui fait que la tige filetée rentre dedans sans aucun jeu. Voilà. Donc j'avoue quand même que je me suis beaucoup inspiré des vidéos de Cédric Riffard par rapport à la draisienne. Tiens, je te mets le lien d'ailleurs là en haut là, pour que tu puisses aller voir sa vidéo. Ses vidéos d'ailleurs, parce qu'il en a fait plusieurs.
faut pas croire que j'ai tout inventé non plus, et voilà. Donc ensuite je viens coller et fixer ma fourche sur le cadre. Et pour que les boulons de la fixation sur le cadre ne se démontent pas, j'ai mis des écrou-freins d'ailleurs. En laissant un peu de jeu comme ça, ça permet au guidon de tourner. Donc j'ai découpé la fourche en deux, que je viendrai ensuite visser pour pouvoir insérer mon cadre à l'intérieur. Et vu que j'avais un petit jour, je suis venu le compléter après avec de la pâte à bois. Donc en finition, je suis parti sur un Rubio chocolat que je viens étaler avec une éponge synthétique. Si tu veux un petit tuto là-dessus, il y a Recup Project qui en a fait un. Tiens, je te mets le lien aussi en haut à droite. Allez, c'est la fête des copains. Et pour que ça résiste à l'extérieur, j'ai mis un vernis marin incolore que je viens appliquer en 2-3 couches quand même pour protéger le tout, parce que on sait très bien que les enfants vont laisser la draisine à l'extérieur. Et puis pour les poignées, donc pareil, chez Decathlon, j'ai acheté des bandes de raquettes de tennis qu'on met sur les manches de raquettes de tennis que je viens mettre autour, et je n'ai plus qu'à coller ça. Voilà. Donc ce projet est maintenant terminé. À la fin de la vidéo, tu auras tous les plans cotés. En tout cas, je suis super heureux parce que mon fils est super heureux de sa draisienne. Et regarde-moi cette bouille. Si c'est pas un champion, ça. En tout cas, il est heureux. C'est l'essentiel, c'est tout ce qui compte. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à cliquer sur le petit bouton like, la petite cloche et activer les notifications pour voir les prochaines vidéos. En attendant, je te fais des bisous. Et puis bon bricolage. À plus.